Moi, salut à tout le monde qui a regardé la vidéo, ça, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour JPL pour nous capables de rentrer la carte aujourd'hui, hein, pour nous capables de partager l'information ensemble à vous. Mesdames et messieurs, de vous entendre voir ça, ou envisager ça, ou que vous que c'est Peterson Léveillé qui rentrait dans Kaila. Information que moi, je vais partager avec vous aujourd'hui, hein, mes chers amis, les concerner mon capitaine Emilio. C'est-à-dire, mon cap veillé email de confirmation yo. Donc et ça fait un bon petit temps mesdames et messieurs, nous connaissons que n'a parlé de bagaille USCIS, mais ces derniers temps, j'aime dire en pile monde c'est que puis nous inspirer bagaille même gens. Tenez bien. En pile monde cap veillé email, nous toujours dit comme ça que pas négliger le folio, pas négliger castrack yo, comme si toujours aller sur application ça pour permettre yo ouais évolution dossier. Mais nous même capé parler sous domaine ça qu'a fait recherche sur lui, gagne un bagage que nous arriver rapidement comprendre côté que gagne de le USCIS qu'on prend action dans son cas mais li poko voye email et que dans application ou poko vérifier pour ça. Donc j'aime dire monsieur c'est extrêmement important ça on prend le montre là fait chaque jour, moi-même, chaque jour, je fais ce dossier parmi eux pour moi comment ça y est. C'est qui ça? Après que nous avons email pas gagné, après que nous gardons sous application qui en rapport avec USCIS que nous connectons avec eux, nous pas joignons rien, qui ça nous toujours fait? Eh bien, nous toujours aller sous compte USCIS là. Les m'arrive sous compte USCIS là, m'aller directement dans partie côté qui marqué documents là, les m'arrive là documents là, moi cliquer. L'aime cliquer dans partie documents là, gagne deux bagailles qui pral permettre que moi ouais est-ce que yo travaille sous dossier là. Premièrement, les m'arrive là gon côté que ou après les receipt notice. Donc, le m'garder dans partie ça, il y a deux bagailles qui pral important pour moi. M'pral garder dans notice là, m'pral garder dans côté on marqué action. Regardez bien oui, m'pral garder dans notice là, m'pral garder dans action là. Dans partie notice là, ou quoi que si c'est receipt notice là que moi ou là dans seulement, ça veut dire et puis m'garder en bas dans action là, moi on mettait NA qui signifie not applicable, eh ben m'pral comprendre que yo poko fait rien là-dedans. Donc, tenez bien. Deuxième bagaille qui est extrêmement important, si moi, receipt nan parti notice là, après receipt notice là, moi m'gon l'autre notice, m'gen tan konnen que gen yon décision qui prend sous dossier a, et le sa, nan parti action là, li pa marqué non appliqué bon encore NA, maintenant, yo pral marqué action que yo prend sous dossier a. Mes chers amis, moi genyen en pile zami qui toujours abdim que et Peter l'aime garder sur application m'pa jamais recevoir email l'aime garder sur application moi ouais que yo et moi que yo prend décision mais même pa jamais ka joindre email. Et ben mes chers amis m'a demandé à quel que soit monde depuis que wap tan email al fait si so m'dou la li pral ba ou garanti parce que depuis USCIS prend une décision de dossier là, eh ben dans partie notice là ensemble avec action là, yo toujours mettez ça que vous prend. Par exemple, on dit que dans notice là, on parle ouais que ou a joindre une notice de confirmation. Ou a quoi que ou joindre ça yo relay et access code là dans action là. Kounen la mesdames et messieurs, ou même qui ça parle gain là-dedans, depuis ou gain bagage ça yo, même lorsque ou pas qu'on recevoir email. Donc, de pour get en monte sous account USCIS là, ou jouen ça, de pour ou jouen et online access code là, ou ka commencer faire tout suivi ou pour faire CPB ou parce que c'est ça qui est extrêmement important pour ou. Mais on dit que, ou gade là, ou wè gen action prend, ou wè c'est seulement confirmation receipt là, ou pas jouen online access code là. Maintenant, ou pral aller sur toute vidéo publié dernièrement là yo ou pral garder pour wè ça parler de façon pour faire demande online access code là problème ça me résout li déjà grand pile monde qui parle de ça problème ça me résout li déjà comment pour capable joindre ça relé online access code là côté que m'te même fait dans vidéo a m'te font simulation
pour me capable montrer en pile monde qui ça peut faire. Donc mes chers amis, je suis sûr et certain, je dis à là ou même qui toujours en attente d'email s'il vous plaît. Moi-même moi fais, m'encourager l'autre monde fait ou même tout m'encourage au fait parce que certaines fois nous qu'on a vu email et puis USCIS vient à prendre décision sous dossier. Donc moi pense que en pile monde qui a regardé vidéo ça getan ouais que et plusieurs moyens parce que écoutez tout autant yo poko mette fin dans programme là même lorsque la marché a pas de tortue la marché sous dos en tortue malade eh ben ça pas bagarre qui garder nous nous même li poko fermé n'a tande et n'a veillé tout côté. Donc mes chers amis c'est un plaisir pour moi même parce que chaque fois me connons ti bagaille chaque fois bon ti bagaille qui gagne pour me venir parler là avec nous et monsieur certain gagne l'autre vidéo que nous pourrons partager ensemble avec nous parce que il y a l'autre information qui est extrêmement importante. Merci à vous même qui t'es branché, bye bye et à la prochaine.